initiée par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, de nombreuses marches contre l'antisémitisme ont été organisées à Paris et dans plusieurs villes de France. Il faut bien l'avouer, cet appel à la mobilisation a porté ses fruits. En effet, cela a rassemblé une importante foule. Selon le ministère de l'Intérieur, 182 000 personnes ont défilé presque partout dans l'Hexagone. Le dimanche 12 novembre 2023, Arthur s'est également joint au mouvement qui a eu lieu à Paris. Les manifestants sont, entre autres, passés par l'Esplanade des Invalides, l'Assemblée nationale et le Sénat. Après le rassemblement, l'animateur star de TF1 a livré son impression auprès de ses plus de 2,5 millions d'abonnés sur Instagram. Main dans la main avec des amis alors que la guerre Hamas-Israël prend de l'ampleur, la France fait face à la recrudescence de l'antisémitisme. C'est l'une des raisons pour lesquelles Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont organisé ces rassemblements de grande envergure. 105 000 personnes ont notamment répondu présents à la marche unique qui s'est tenue à Paris. Bien que la présence de l'extrême droite n'ait pas fait l'unanimité, la manifestation s'est tenue dans le calme. Arthur, qui a dénoncé le silence de certaines personnalités face au conflit israélo-palestinien, peut en témoigner. Dimanche dernier, l'animateur de 57 ans s'est d'ailleurs exprimé sur cette marche contre l'antisémitisme. Il a ainsi tenu à saluer l'initiative des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il a partagé son sentiment après avoir participé à ce rassemblement pour la paix. Aujourd'hui, j'ai marché main dans la main avec des amis. Ensemble, au cœur de cette marée humaine, ça m'a fait chaud au cœur et calmé un peu ma colère. Arthur@instagram Arthur remercie les autres manifestants. Cette prise de parole était aussi l'occasion pour celui qui attaque les Yannick Noah de s'adresser à ses compatriotes pour les remercier de leurs gestes et mots bienveillants. Tout porte à croire que Jacques et ses bagues, de son vrai nom, gardent des souvenirs inoubliables de cette grande marche civique. Qu'en pensez-vous ?